Quelques éléments sur les politiques qui ont été menées à la métropole bordelaise après le premier confinement. Alors déjà pendant le confinement, l'agence d'urbanisme avait produit des petites études qu'on avait faites très rapidement sur comment faire pour préparer ce déconfinement et planifier ou replanifier l'espace public pour plus de distanciation physique. Donc on avait repéré sur la ville de Bordeaux les endroits qui méritaient le plus d'attention au regard de la fréquentation attendue et du besoin d'élargissement des espaces publics. On avait étudié plusieurs cas de figure, plusieurs rues, et on avait fait aussi un travail sur le temps de trajet à pied entre les différents lieux de la ville pour montrer aux gens que finalement, c'était pas si loin que ça, c'était moins loin que ce qu'on croyait d'aller d'un endroit à un autre de la ville à pied, que c'était parfois faisable. Et ce plan avait été largement communiqué dans les services et par les services de la métropole. Et ensuite, il y avait eu la ville de Bordeaux qui s'en était inspirée et avait affiché sur l'espace public des affiches comme celle-là sur les temps de parcours à pied ou à vélo entre différents lieux qui génèrent des déplacements. Ça, c'était une première action de communication qui avait été mise en place très rapidement. Et puis ensuite, il y avait eu, bien sûr, les célèbres coronapistes. C'était un marquage au sol de couleur jaune. Il y avait une centaine d'opérations sur un linéaire de 80 km. Il y avait eu ensuite des enquêtes pour voir quels étaient les usagers de ces coronapistes. Rue Lamartine à Talence, 30% des interviewés sont des nouveaux usagers de modes actifs et 19% faisaient ce trajet avant en voiture et 11% en transport en commun. Et sur les boulevards à Bordeaux, il y avait eu des enquêtes similaires où il y avait 21% des interviewés qui sont des nouveaux cyclistes, avec 10% qui faisaient ce trajet en voiture et 11% en transport en commun. On voit que ces nouveaux aménagements ont été utilisés, que ça a mené de nouveaux utilisateurs vers les modes de transport actifs, mais que ce report modal s'est fait au détriment, comme on le savait, hein, parce qu'on a vu les chiffres avant, au détriment du transport en commun. Et sur certains axes, les coronapistes ont été pérennisées, par exemple sur les boulevards à Bordeaux, mais sur d'autres communes aussi. Alors ça, c'était des choses qui ont été faites, installées assez rapidement pour gérer l'urgence. À plus long terme, la métropole a préparé et a voté le nouveau schéma des mobilités. Alors la question, c'était est-ce que ce nouveau schéma permet de repenser la mobilité d'une façon différente? En tenant compte des apprentissages de la nouvelle donne suite à l'épidémie. On pense que pas vraiment, mais bon, peut-être les personnes de la métropole pourront compléter. On pense que ce schéma est finalement un schéma qui a été conçu de façon assez classique, avec quelques objectifs qui sont décongestionner le territoire métropolitain, fluidifier les liaisons rive droite, rive gauche, offrir des alternatives attractives aux liaisons métropole hors métropole. Il y a des originalités par rapport au schéma précédent, celle-ci en est une, hein, de afficher clairement qu'il y a une volonté d'améliorer les connexions entre la métropole et leur métropole, décarboner les mobilités, favoriser une nouvelle gouvernance. Là, dans la nouvelle gouvernance, il y a aussi toute une volonté de coopérer avec les EPCI autour de la métropole. Mais bon, il n'y a pas véritablement, de la façon que ça a été présenté, dans la façon que ça a été présenté, une prise en compte d'évolution sociétale qui pourrait opérer suite à l'épidémie. Peut-être, malgré tout, ces nouveaux axes qui vont être développés dans le périurbain vers l'extérieur de la métropole vont peut-être servir aux besoins de mobilité des gens qui seraient allés s'installer loin du cœur de la métropole suite à l'épidémie. Mais bon, c'est des hypothèses, il faudrait faire des enquêtes, il faudrait voir s'il y a véritablement beaucoup de gens qui ont déménagé. On n'a pas les chiffres. Par contre, ce schéma de mobilité comprend un plan vélo et un plan marche. Et on pense qu'il y a eu quand même quelque chose, une accentuation. Madame Landrieu l'a expliqué à propos du vélo. Il y a eu le confinement a été un accélérateur de la prise en compte du vélo dans les politiques publiques. Et le schéma des mobilités de la métropole en est un exemple. Il y avait déjà eu des plans vélo avant dans la métropole bordelaise. Celui-ci est le troisième ou le quatrième. Mais une volonté réaffirmée de développer le réseau cyclable, dont le réseau Rêve que vous voyez à l'écran, le réseau Express Vélo, et puis d'autres axes de travail sur le stationnement du vélo en sécurité, le développement de services autour du vélo
et puis la formation et la communication. Et puis, une nouveauté, et celle-ci est une véritable nouveauté, puisqu'il n'y avait pas eu avant de plan marche, c'est le premier plan marche qui va être inclus dans ce schéma des mobilités et qui inclut 18 actions pour améliorer la marche, développer la marche dans la métropole, avec un axe autour de la conception des espaces publics, un axe autour des aménagements à réaliser autour des écoles, des équipements scolaires, un axe sur la coordination entre transport collectif et marche, un quatrième sur la marche en tant que mode de déplacement quotidien, et puis un cinquième autour de la marche comme élément pour faire de l'événementiel. Voilà pour ce qu'on a relevé dans ce schéma des mobilités. Sans doute, il reste des choses à creuser. J'ai évoqué avant, est-ce qu'il n'y a pas des abonnements spécifiques à penser suite au développement du télétravail? Peut-être d'autres pistes qui pourront être soulevées pendant le débat.